D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4, tu gagneras un super magical chest. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un pack opening gratuit. Et ainsi, on va passer aussi à l'HDV, au niveau 10, pardon. On va passer au niveau 10. Parce que comme vous voyez en haut, il me manque juste 9 XP avant de passer au niveau 10. Donc on va donner des sapeurs, tiens voilà, des sapeurs. Et on va passer donc au niveau 10. Regardez, plus que 2 XP, 1 XP. Et voilà, nous sommes niveau 10 en vidéo, en live. Voilà. Comme vous voyez, donc 384 points de vie en plus, 8 dégâts en plus. Tour d'arène, 252 points de vie en plus et 9 dégâts en plus. Donc voilà, on va donner un petit peu de ça aussi d'ailleurs. Ça aussi, voilà. D'ailleurs, dans 12 minutes, je pourrais faire une demande. Ok. Donc voilà, niveau 10 en live. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir, je pense, tous les coffres gratuits ainsi que les coffres en argent. Ensuite, je vais attaquer. Et puis après, on va se retrouver pour l'ouverture du Magical Chest en live. Donc voilà, niveau 10, ça fait plaisir en tout cas. Donc là, j'ai bientôt le géant qui va passer au niveau 8. Il va coûter 8000 d'or, donc ça coûte assez cher. Bref, c'est parti. Allez. Ok. Bon, pas très intéressant. Il y a 12 minutes, il y en a un autre coffre gratuit, donc ça c'est cool. J'ouvrirai les coffres en argent. Je sais pas si la vidéo va durer 12 minutes, mais bon, si elle dure 12 minutes, ça fera un coffre gratuit en plus, donc ça c'est plutôt sympa pour vous. Allez, c'est parti, on attaque. Donc là, la saison vient de reprendre, je suis à 3040 trophées, il me semble, donc c'est pour ça que j'ai un niveau de trophée assez bas. Donc normalement, les adversaires sont quand même assez forts. Hein. Ils sont quand même assez forts. Vu que on a repris la saison. Bon, pour l'instant, il attaque pas, c'est bizarre. Ah, je me disais. D'accord, il pose l'extracteur. Ok, donc pour l'instant, j'espère qu'il a pas les fléchettes parce que là, je vais mettre l'ordre de gargouille. Maintenant, voilà, j'espère qu'il a pas les fléchettes, sinon, bah, je perds tout. Je vais. Ah, bah, pour l'instant, il défend pas. Bon, il défend pas trop, hein. Je sais pas s'il est très très fort. Ok, il a quitté le combat. Rage quitte en live. Rage quitte en live, comme vous voyez, hein. J'ai gagné. Donc, première victoire, on va essayer de faire un petit 3-0. C'est toujours ça en plus, hein. C'est toujours ça de gagner. Donc je pense qu'il a rage quitte, après c'est vrai qu'il y a des problèmes de connexion, etc. Ah. Bon, je sais pas si là, je pense qu'il a rage quitte quand même. Il a rage quitte puis après il est revenu en se disant j'espère que c'est fini. Bon voilà, en tout cas c'était rapide pour ce premier gameplay, hein. Cette première attaque. 30 trophées en plus, donc on passe à 3070 trophées. D'ailleurs là, au niveau du classement, on est à donc les 200, enfin les derniers, top 200 FR. Ils sont à 3155. Donc c'est vrai que c'est assez haut. Après si je fais un petit peu d'attaque. Enfin là je pense que si je gagne toutes mes attaques en vidéo là, donc encore 2 ou 3, c'est possible d'arriver peut-être dans le top. Donc c'est parti, on va faire une deuxième attaque. Et puis après on va ouvrir le Magical ou le coffre en or, puis après le Magical, on verra. Bon, on verra. Mais voilà, bon, en tout cas ça commence bien. Allez là, niveau 11, c'est plus dur. Hop là, en plus je suis niveau 10, donc du coup ça change au niveau des points de vie de la tourelle. Enfin de mes tourelles d'ailleurs, c'est pas qu'une seule tourelle, c'est de mes tourelles. Donc là j'espère que la princesse va attaquer les petits gobelins à droite. Ok, super. Super. On va mettre les petits gobelins à gauche pour attaquer un petit peu sur la tourelle de gauche. Et je crois que ça se passe plutôt bien. Ah d'accord, ouais, les trois mousquetaires, donc là ça va être difficile de défendre. Je vais faire ça, ça va être très 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 difficile là. Je vais... Oula. Parce que les trois mousquetaires sont très 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 fortes. Ok, là ça va. Bon, je pense que ça va. Je vais réussir à défendre. Enfin, j'espère. Oula. En fait, pas trop. Ça va, je m'en sors plutôt bien. Ouais. Bof. Ah, il a presque eu ma tourelle. Donc, vous voyez, les trois mousquetaires, c'est très très puissant. Hein. Vraiment, les mousquetaires. Ok, les fléchettes, pas très très utiles. Hein. Honnêtement. En plus, là, il touche ma tourelle principale. Donc, c'est pas très très utile. C'est pas très très bien joué. Après, vous allez me dire qu'il a l'extracteur. Donc, il peut se permettre. Mais bon. Il perd quand même 3 d'élixir pour rien quasiment. Donc c'est pas très très bien joué. Ok, donc là je vais mettre le ballon ainsi que le géant. C'est parti. On a 1 minute 35. Allez, on va faire ça. Le géant. J'espère qu'il va pas mettre de trucs. Enfin de troupes assez fortes. S'il met les 3 mousquetaires maintenant, je pense que ça va être très difficile. Alors, pour l'instant ça va.
Ok, les fléchettes. Ah, je... ah oui, il avait les fléchettes, c'est vrai, il avait les fléchettes. Donc là, j'ai sa tourelle, donc pour l'instant, ça fait. Pour l'instant, ça fait. Oula, ok. 1-0, mais bon, il va vite rattraper, hein. Ne vous inquiétez pas, il va vite rattraper ce retard. Donc pour l'instant, 1-0. On va essayer d'attaquer à gauche. À droite, pardon. À droite, parce qu'à gauche, c'est bon. Hop là. Là, ça se passe plutôt bien, en fait, hein. Ah, parce que là les Valkyries sont mortes, en plus ça coûte 9 je crois, 9 ou 8 d'élixir, donc bien joué à lui. Enfin bien joué à lui, enfin en tout cas voilà. Hyper Ah j'ai mal joué. J'ai très très mal joué du coup, il a mis le sort de rage, ok, on va essayer de d'attaquer ici. En espérant que les 3 mousquetaires n'en font pas beaucoup de dégâts. Oula. Ah j'ai perdu, j'ai mal joué. Dommage. Dommage parce que là j'étais bien parti en plus pour attaquer la toile de droite. Enfin quoique en fait mon ballon est mort. Mais ouais, bon, j'ai pas super bien joué. Bon là j'ai envie d'ouvrir le coffre en or. Allez allez, on va ouvrir le coffre en or. Donc je pense pas que j'ouvrirai le coffre gratuit parce qu'il faut encore 7 minutes. Enfin on verra, on verra, on verra. Donc là le coffre en or c'est parti. 624 d'or, ok. 2 gemmes, ok, bon ça reste intéressant après. Hein. 3 chevaucheurs de cochon. Bon, c'est une troupe que j'utilise plus trop en ce moment, mais bon, j'aurais plutôt préféré des géants, mais bon, c'est quand même pas mal. 67 électrocution, ok. Et un baby dragon, ok. Bon, ça reste raisonnable, mais bon, je m'attendais peut-être à mieux, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas très très grave. Du coup, on repart pour, je pense, une dernière attaque, puis après, on ouvre le Magical Chest. Est-ce qu'on va avoir une bonne, deux bonnes cartes? Bah, j'espère. Pourquoi pas une légendaire? On verra ça très bientôt, enfin, juste après l'attaque, hein. Juste après l'attaque. Allez, on met les barbares. Donc la classique. Oula, 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 là, là, là. Ça commence très, très mal. À ceux qui attaquent avec le cochon directement, c'est vrai que ça fait pas mal de dégâts. Donc là, il a très, très bien joué. Là, je suis en très, très mauvaise position. Bon, après, si j'arrive à... On va voir, on va voir. Peut-être que je vais réussir à remonter. Parce que c'est vrai que le ballon géant est vraiment très très puissant si, s'il n'est pas défendu. Hop là. Ok, il a la princesse niveau 2. Aïe. Le cochon, j'aime pas le cochon. Là, il va prendre ma tourelle. Ok, super. Super, super. Là, vous voyez les fléchettes sur la princesse. Du coup, là, je vais avoir sa tourelle. Ça fait un partout. Ça fait un partout. Donc, pour l'instant, c'est bien. Et en plus, il reste mon ballon ainsi que mon géant. Donc, c'est super. Donc voilà, un petit peu de dégâts sur sa tourelle principale. Voilà, tranquillement. On descend sa tourelle principale à 3400. Du coup, là, j'économise l'élixir. Et on va... ouais, on va mettre les barbares. Juste là, dans quelques instants. Hop là. 1 minute 41. Donc pour l'instant, c'est assez serré. Mais on va essayer, voilà, de... d'avoir la deuxième tourelle. Ok, bien joué la boule de feu. Bien joué la boule de feu. On va mettre ça ici. Ça ici. Oula. Ouh là là, il a la princesse. Ça m'embête un petit peu ça. Ça m'embête même beaucoup. Ça m'embête même beaucoup. Ok, bon. Bon, ça reste pas mal. Ah, j'ai pas très très bien joué. C'est vrai que ouais, là, dommage. Je fais un petit peu de dégâts avec le gobelin, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein, sur sa tourelle de droite. Donc là, allez, je vais mettre le ballon, enfin le géant ainsi que le ballon. Et j'espère réussir. Sachant qu'il va mettre le cochon encore une fois, parce qu'il joue pas mal avec le cochon. Mais il faut que je défende. Il faut que je défende. Ok, ça c'est super. La princesse que je vais pouvoir donc défendre. Avec les fléchettes, juste là. Donc là, la boule de feu, pas très très utile, hein, vraiment. Pas super bien joué. Du coup, ben là, j'en profite. Hein. Du coup, j'en profite. Tranquillement, et là je pense que c'est bien parti pour une belle victoire. Hein. Une belle victoire avec le ballon. Ok, super. Bah, voilà, super. Le ballon qui va finir la tourelle, et du coup, ça va faire 2-1 pour l'instant. Il reste 18 secondes. Après, peut-être que je vais réussir à gagner, mais enfin, à faire 3-0, mais je pense pas que j'aurai le temps. Ouais, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps. Bon, ça reste pas mal. Donc, voilà, deuxième victoire. Bon, pour l'instant, en gros, ça fait du 2-1. Hein. Donc une victoire, une défaite et une victoire. Donc ça reste pas mal. Donc voilà, mais du coup on va ouvrir le Magical Chest, hein, que j'ai eu donc gratuitement dans une attaque.
Donc c'était plutôt sympathique. J'aurais bien aimé vous offrir un coffre géant, mais je n'ai pas eu de coffre géant, c'est dommage, mais bon, c'est toujours ça. Donc c'est parti, on va ouvrir le Magical Chest. J'espère avoir, pourquoi pas une légendaire. Ou pourquoi pas, voilà, soit des ballons, ou une légendaire, par exemple, une n'importe, parce que de toute façon, ils sont tous niveau 1. Donc si j'en ai une, je la passe au niveau 2. Donc voilà, allez, c'est parti. 700 d'or quasiment, 690. 3 esprits de bokeh. 6 mortiers, 8 bombardiers, 23 squelettes, 48 barbares. Bon, ça c'est cool, parce que c'est vrai que je les utilise pas mal. Mais en ce moment, je les augmente pas trop, parce que là, j'augmente le géant, donc du coup, ils sont toujours à 64 sur 1000. Donc voilà, pour les passer au niveau 11. Donc j'ai encore pas mal de temps avant de les passer au niveau 11. Allez, deux dernières cartes, c'est parti. Dommage, j'aurais préféré là vraiment carte rare. Le géant, 23 géants, ça m'aurait fait plaisir. Ok, bon, on termine sur le sort de rage. Avec 3 sorts de rage, quand même, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Là, j'aurais eu 20 géants, ça aurait été super parce que j'aurais pu quasiment les passer au niveau 8. Hein. Je faisais une demande de carte là. Et dans 2-3 jours, je les avais niveau 8. Là, du coup, ça va prendre plus de temps. C'est un petit peu dommage. Bon, en tout cas, voilà, je suis passé niveau 10 en vidéo. J'ai eu un Magical Chest que je vous ai ouvert. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo et à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao, ciao.